بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, avec la volonté d'Allah, on va parler du sujet de la révélation du Coran pendant le mois de Ramadan. Allah Azza wa Jal a choisi le mois de Ramadan parmi les mois pour révéler le Coran et également choisi la nuit de destin, la nuit d'Al-Qadr, pour le révéler. La question qui se pose, mes frères et mes sœurs, qui a honoré l'autre? Est-ce que c'est le Coran qui a honoré le mois de Ramadan, qui a honoré la nuit de destin? Ou bien la nuit de destin et le mois de Ramadan qui a honoré le Coran? La réponse est claire, mes frères. C'est le Coran qui a honoré le mois de Ramadan. C'est le Coran qui a honoré la nuit de destin. Donc, mes frères, le Coran a été révélé en une seule nuit, parmi les nuits de Ramadan. Comme on trouve un autre verset qui nous parle de la révélation de plusieurs parties. Allah Azza wa Jal dit « Nous avons fait descendre le Coran par portions pour que le récite lentement aux gens et nous l'avons révélé graduellement. » Cela signifie qu'elle a été descendue progressivement selon les événements sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une période de 23 ans, 13 ans avant l'Hégire et 10 ans après. Et une autre question ici, mes frères et mes sœurs. Un verset nous dit que le Coran a été descendu en une nuit, tandis qu'un autre nous dit qu'elle a été descendue progressivement sur plusieurs années. Est-ce que c'est une contradiction dans le Coran ou bien il y a une réponse des savants concernant ce sujet? Oui, la réponse est simple, mes frères. La réponse à cette question est que le Coran a été descendu du ciel en deux étapes, selon la parole de majorité des savants et des érudits. La première révélation, mes frères, en une seule fois, une seule portion. L'ange Gabriel a descendu en une seule fois de tablette préservée, Lawh al-Mahfouz, vers la demeure de gloire, Bayt al-Izzah, au ciel inférieur, Al-Sama' al-Dunya, par l'ordre d'Allah Azza wa Jal pendant la nuit de destin. Cela explique les versets qui nous disent que le Coran a été descendu dans sa totalité dans une nuit bénie, la nuit de destin. Où Allah Azza wa Jal nous a dit, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Alors, la première révélation nous a expliqué ces versets, ou bien ce verset. Et la deuxième révélation, progressive au fil des années, l'ange Gabriel la descendre de la demeure de la gloire au ciel inférieur par portion sur une période de 23 ans selon les circonstances et les événements sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a des 13 ans avant l'Hégire et 10 ans après. Ibn Abbas, qu'Allah l'agré, dit « Le Coran fut séparé de dhikr et fut déposé dans la maison de gloire au ciel inférieur. » Puis Jibril le descendit au fil de la révélation vers le prophète que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Cela, mes frères et mes sœurs, explique les versets qui nous disent que le Coran a été descendu progressivement selon les événements et les circonstances. Donc, il n'y a pas de contradiction entre ces versets. Louange à Allah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Notre prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, faisait écouter le Coran à l'ange Gabriel une fois par an, pendant le mois de Ramadan. Et durant la dernière année de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, il le récitait deux fois. Il a dit, certes, l'ange Gabriel révisait le Coran avec moi chaque année, mais cette année, il l'a fait deux fois. Ce qui me fait penser que ma vie va atteindre son terme. Et cela s'est produit ainsi car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé avant la fin de cette année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné le Coran
en compagnon de la même manière que l'ange Gabriel l'avait enseigné, mot par mot, verset par verset, sourate par sourate. الله عز وجل اختار شهر رمضان واصطفاه واختار ليلة القدر واصطفاها لإنزال القرآن الكريم فأكرم ورفع من شأن هذا ليلة القدر ومن شأن شهر رمضان بإنزال القرآن فيه. أنزله الله عز وجل قائلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولكن يقول الله عز وجل أيضا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا القرآن الكريم أنزله الله عز وجل تنزيلين، التنزيل الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة واحدة في شهر رمضان على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله، وهذا ما يفسر قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أو إنا أنزلناه في ليلة القدر. والتنزيل الثاني في قوله جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي هو التنزيل الثاني من بيت العزة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة وعشرين سنة، 13 قبل الهجرة وعشر سنوات بعد الهجرة، فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل وبلغه كما تلقاه عن جبريل عليه الصلاة والسلام، فوصلنا القرآن الكريم كاملا تاما غير محرف. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن من أهله وخاصته جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يوفقنا إلى ما فيه سعادتنا لآجلنا وعاجلنا، وأن يوفق إخواننا بغزة وأن ينصرهم وأن يداوي جرحاهم وأن يرحم موتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.